Le retour de la saison 1 sur Fortnite Switch. Et écoutez, Battle Royale classé, non. Par contre, je dois y avoir des modes différents à zéro construction. Waouh, mais il y a tellement de choses dans tous les sens, je sais même pas. Zéro construction, Battle Royale, oui. Casier. Waouh. Casier, boutique d'objets. Ah, il y a des trucs dans tous les sens. Vas-y, je mets jouer parce que je suis perdu dans tout ce qu'ils ont rajouté là depuis. Moi, tout ce que je veux, c'est voir la première map du jeu là que j'adorais avec Tilted, avec Wedding Woods, avec. Il y avait Tomato Town, je crois, un truc comme ça, comme je disais, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr du nom, des noms, encore une fois. Je suis pas sûr des noms. Ah, du coup, pour l'occasion, on se prend ça là. Pour l'occasion. Ah ouais, pour l'occasion, on fait carrément ça. Vas-y, il faut absolument que je dise à mon pote de revenir à Léo pour qu'on se refasse des parties. Les parties en duo avec mon meilleur pote là sur le jeu. Oh là, à l'époque, c'était incroyable. Je crois que du coup, à cause de tous les streams qu'on a fait il y a quelques années sur Switch où on passait des nuits entières en duo, je crois, si je dis pas de bêtises, que Fortnite est le jeu auquel j'ai joué le plus d'heures sur Switch. Mine de rien, tu vois. Comme quoi, il y a vraiment eu une période Fortnite, hein, et puis après, c'est passé parce que les différents chapitres de Fortnite ont modifié mon appréciation du jeu. Mais j'ai eu une période où on a beaucoup, 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 beaucoup joué. Genre vraiment énormément, énormément. Et du coup, par contre, il faut vraiment que. Est-ce que ma sensibilité est bonne? Il va falloir que je m'y refasse à la sensibilité, hein. Ouais, faut que je m'y refasse. Hein. Faut vraiment que j'y refasse. Je te réponds après, Nico. Je te réponds après. Oh, il y a Pleasant. Oh, il y a Pleasant Park qui est de retour aussi. Oh, Haunted Hills aussi, incroyable! Mais oui! Crazy Grove. Oh là là! Alors, Wailing Woods, faudra qu'on y retourne. Oh, c'est incroyable! C'est incroyable! Le retour des villes comme ça, là, qu'on kiffe. Il y a Tilted aussi. Oh, ça fait plaisir de les voir. Hein. Oh là là! Ah ouais, non, là par contre. Bon, c'est la version Switch parce que, encore une fois, je sais que sur la chaîne il y a beaucoup de gens qui regardent la Switch. Mais oh là là. Oh. Incroyable. Ouais, par contre, il y a du monde. Il y a vraiment du monde. Il y a vraiment du monde. Allez, vas-y, let's go. Ouais, évidemment qu'il y a du monde. Alors je crois que ma maison préférée. Alors est-ce qu'il y a toujours le sous-sol dans la maison là ou pas? Attends, c'est dans laquelle? C'est celle-ci, mais il va y aller. Il va y aller. C'était pas là le sous-sol? Non. Punaise. Attends. Parce que si je prends pas d'armes, je vais me faire déglinguer la tronche. Qu'est-ce qu'on a comme arme du coup? C'est quoi ça? C'est le fort? Ah bah heureusement que je l'ai fait parce que sinon j'allais me faire déglinguer. Alors quelque part heureusement que j'ai fait ça. Parce que je sais très bien ce qui se serait passé sinon. Il n'y a pas de construction, c'est le mode zéro construction. Et comme... Oh mais oui! Trop bien! Le retour des petits lamas aussi évidemment. Oh il y a les failles! Ah oh, mais je suis trop content! Il y a tout qui est de retour. Merde. Bon, apparemment il vise pas très bien donc ça va. Il est où là-bas? Moi non plus je vise pas bien. Attends, c'est tir à l'unité ça? Ah mais attends, c'est quoi ces armes que j'ai récupérées? Putain, j'ai vraiment récupéré des armes de merde. C'est pas visé avec celle-ci. Apparemment moi non plus. Apparemment eux aussi. Donc ça m'arrange parce que j'ai vraiment. Ah, j'ai vraiment de la merde. C'est des bots ça, non? Mais je suis vraiment. Je suis vraiment nul hein. Depuis le temps que j'ai pas joué, laisse tomber. Ah mais ça doit être des bots ça, parce que vu comment ils tirent aussi mal que moi. Normalement personne ne tire aussi mal à part des bots nuls. Waouh, ça fait tellement longtemps. C'est tellement étrange.
Et en même temps, c'est trop cool. Alors. Fusil d'assaut. Ouais, je vais prendre ça parce que je suis... Ça sert à rien de récupérer ça. Oh. Eh, ça fait des souvenirs de dingue. Ah, c'est quoi ça? Je la connais pas celle-ci. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est ça. Bunker de poche. Ah, ça peut être pratique. Ça peut être pratique. Attends, tu sais quoi, la gourde du brave, je vais la garder sur moi. Je vais garder la faille. Ah, il était là le sous-sol, c'est ça. Ah, pas mal la petite animation. Alors moi, je sais que j'étais très fort au pistolet. Ça paraît. Oh, mais oui. Oh. Il est où? Il doit y avoir... Ah mais oui, du coup il y a les grenades, viens. Oh, depuis le temps que j'ai pas joué. C'est tellement étrange en vrai. Qui me tire dessus? Wow, wow, wow. Ah, c'est forcément des bots là pour être aussi mauvais que moi. On va s'y refaire. C'est juste qu'il faut que je me refasse aux touches du jeu. On va s'y remettre, ça va le faire. De toute façon, là, je suis sûr qu'on est contre des bots. C'est vu que c'est la première game, on doit être contre des bots. En attendant. Oh là là, ça fait tellement bizarre. C'est tellement bizarre et en même temps, c'est tellement génial. Il faut absolument que Léo nous rejoigne. Si, pour ceux qui étaient là à l'époque où on faisait nos games ensemble. Là, il y avait les avions là-haut. Ils ont remis les avions aussi ou pas? Ça, ça tire par là. Ouais, là, ok, là. Ok. Alors, c'est pas avec celui-là que je voulais tirer à la base, mais... Ah, c'est des bots, ça c'est pas possible. Alors que vu comment ça saute, c'est pas sûr. Si, peut-être. Je suis vraiment une grosse chèvre. Attends, c'est quoi cette glissade de merde? Trop nul. À ce point-là, c'est quand même monstrueux. Ça devrait même pas être permis d'être aussi mauvais. Ils sont où? Dans la maison? Ah, les buissons. Ok. Ah, c'est forcément des bots tout ça. Forcément. Quoique peut-être que dans le tas, il y en a un qui est pas un bot, hein, après tout. Mais bon, j'y crois un peu moyen quand même. Qu'est-ce que c'est ça? Salut. Prendre les nains de jardin. Ok, bah super. Ah ok.
Je vais le prendre quand même, même si la faille aurait été plus intéressante. Après, il y en a une là. Ah, c'est des bots, ça. Ils m'attaquent même pas. Oh là là. Bon, c'est pas grave. Ça nous permet vraiment de reprendre la main sur le jeu petit à petit. J'ai dit, c'est la première game en un an et demi avec la sensibilité de la Switch et tout. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Apparemment, il y a du monde là-bas. Vas-y. Oula, il y a un mec qui arrive sur moi. Là. Ouais, ça c'est pas un bot, ça. Ah si, peut-être. Aussi. Je sais pas. Waouh. Ok. Jouer. C'est pas un bot. Hein. Et c'est vrai que du coup, il y avait le lance-grenade aussi. Hein. Incroyable. Incroyable. Allez, j'en refais une quand même. J'en refais juste une. Non, en vrai solo, c'est chouette de le revoir, mais en même temps, bon. J'ai surtout hâte d'y rejouer avec mon pote. Vraiment, j'ai surtout hâte d'y rejouer à deux. Parce que c'est cool et en même temps, bon, voilà, solo, j'ai fait mon temps en solo. J'arrive même plus à jouer depuis le temps. Oh, ils ont remis le pistolet avec le silencieux. C'était mon arme préférée. Ah, je killais tellement avec celui-ci. En attente du chef de groupe. Attends, annulé. Ah si, Roland, attends. Oh là là, le pistolet de la muerte, je l'appelais à l'époque. Je sais même pas, c'était quand. C'était au tout début de la chaîne. C'était pas au tout début de la chaîne. C'était en quelle année? Est-ce qu'on a la possibilité sur YouTube de voir genre Fortnite? Si je mets Fortnite top 1 EMB. 3 ans. 5 ans. 5 ans. C'était il y a 5 ans. Si, c'est ça. Hein. Ça fait bizarre. Waouh. Putain. Incroyable. Incroyable. Oh là là. Alors. Ah, attends, il y a Grizzly Grove en dessous. Oh, ils ont remis le bateau Viking. Et ça fait tellement plaisir de revoir ça. C'est quoi ça? Ah, je la connais pas ça. Je sais pas ce que c'est. J'ai aucune idée de ce que j'ai ramassé là par contre. Il y a des feux de camp. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une... Ah, c'est juste une... fumigène? Peut-être? Oh là là. Mon arme préférée. Ah, j'aurais aimé trouver des petites avant.
Villermie. The. Personne là. Il semble avoir vu quelqu'un arriver. Elle est où? Allez. Ok. Vas-y. Ah, je suis content. Bon, je suppose que c'est pour titiller tous les nostalgiques aussi de cette époque-là, de manière qu'ils ont fait ça. Hein. Soyons honnêtes quand même. Mais je pense que ça peut fonctionner. En fait, ils ont mélangé plein de morceaux de map aussi, j'ai l'impression. Ou alors c'était à une certaine période. Ah si, là, il y avait des petites voitures et tout. Je me souviens de cette map-là aussi. Ah, c'était pas la période où j'ai le plus joué à Fortnite, celle-ci. Moi, c'était vraiment la période où il n'y avait pas encore les voitures. C'était juste avant la map des avions, je crois. Pareil, l'arrivée des avions était très chouette. Et puis après j'ai pas apprécié. Je crois qu'après, il y a eu les espèces de tubes avec le vent là dans lequel on se déplaçait. C'est là où j'ai commencé à décrocher de Fortnite à cette époque-là. Et puis après, j'ai plus jamais réussi à y revenir. De temps en temps, je revenais pour tester les mises à jour, etc. Mais... voire même acheter un skin, genre celui de John Wick, ou celui de Spider-Man, de God of War et de Halo, parce que je suis un gros pigeon, comme d'hab. Je faisais deux parties, et puis voilà. Et puis après, j'arrêtais. Et pour répondre à ta question, Naiko, bah, c'est un peu compliqué, parce que Gran Turismo 7 est... The Crew Motorfest, c'est pas vraiment la même chose. The Crew Motorfest est exceptionnel. Mais c'est un jeu en monde ouvert. Avec plein de trucs, avec plein de voitures, avec plein de choses. Gran Turismo, t'es davantage sur le côté simu. Alors, simu, entendons-nous, il y a des choses qui font pas trop simu dedans. Mais majoritairement, c'est simu. Mais... si tu cherches plutôt du arcade avec un monde ouvert, The Crew Motorfest est vraiment chouette. Il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de choses à faire, le jeu est très bien, les musiques sont super cool. Si tu veux un truc plus... C'est où ? Si tu veux quelque chose de plus simu, tu vas vers Gran Turismo. Voilà. À part entière. Gran Turismo est très sympa, en plus ils ont mis la nouvelle mise à jour là hier... La nouvelle mise à jour avec le mode split screen à 4, la nouvelle intelligence artificielle pour les voitures. J'ai pas encore eu l'occasion d'aller tester tout ça de plus près, mais je sais qu'ils ont mis la nouvelle mise à jour hier. Et apparemment, tu vois. Et apparemment, c'est cool ce qu'ils ont pu implémenter. Oh, le lance-roquette épique. Viens voir papa. J'aurais aimé prendre les potions à la place du lance-roquette épique, ça aurait été plus intéressant. Tant pis. Tant pis. Tant pis, allez. Ça sert à rien ce que je fais. Allez, let's go. Et c'était Haunted Town, un truc comme ça, je crois, là-bas. Ouais, apparemment la nouvelle match de Gran Turismo est chouette. J'ai pas encore eu l'occasion de la tester parce que j'avais Gran Turismo installé sur la PS5 et comme il y a eu un hard reset à cause de Alan Wake, enfin en tout cas de, je pense, j'ai dû remettre en configuration d'usine la PS5, donc j'ai pas eu l'occasion de retélécharger Gran Turismo pour l'instant. Déjà que ça m'a saoulé d'avoir perdu ma sauvegarde d'Alan Wake. Toutes mes autres sauvegardes elles sont nickel et celle d'Alan Wake elle s'était pas téléchargée sur le PlayStation Plus là, donc ça me gave. Et c'est pour ça que on avait passé 7 ou 8 heures sur Alan Wake. Je me sens pas de le recommencer là, honnêtement, j'ai trop de choses. Et c'est dommage parce qu'on avait les premiers épisodes des Let's Play qui étaient prêts, etc. Il y avait les deux premiers épisodes qui étaient sortis sur la chaîne, et ça me saoule. Parce que du coup, je pense que je vais supprimer, enfin je vais les mettre en privé pour l'instant, les deux premiers épisodes du Let's Play, et puis on reprendra un jour quand j'aurai eu le courage
quand j'aurai eu le courage de recommencer, de me refaire tout le début du jeu d'Alan Wake, qui est très bien, hein, mais une fois comme ça, tu vois, pas genre deux fois d'affilée en une semaine, tu vois. Donc voilà. Donc ça m'a un peu cassé les bonbons, je t'avoue. Cette histoire. Pourquoi je trouve personne, moi? Mais attends, j'ai sauté au début. Normalement, tout le monde saute au début, là, quand on veut, c'est un peu ce fight. Parce que c'est très bien d'aller visiter les trucs, mais... Je voulais du fight, un peu. C'était là. Ouais, je vais le prendre quand même, vas-y. Oh, y'a personne, hein. Et j'entends personne tirer, c'est ça le pire. Et c'est censé être Wolverine que j'ai? Ou un personnage qui y ressemble? Ah oui, y'a des champignons, là. Ah, tiens. Ah, y'a personne qui est venu, mais c'est incroyable. Je vais faire une game où je croiserai personne, ou quoi? Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est infernal. Ah, il y a quelqu'un qui est venu là. Ah! Ah non, je pensais... Ah, mais ils ont parmi les snipers. J'aurais bien aimé qu'ils remettent les snipes aussi. Ah, quelqu'un est venu ici, en tout cas. Ah! Ça tire. Je pense qu'il est là. Ou pas. Salut Servietta, comment tu vas? Je suis en mode sans construction, ouais. Tiens là. Ah ouais, d'accord. Ah oui, d'accord, ça se barre. Très bien. Bon bah attends. C'est quoi ça? Ah, la dynamite! Ils ont remis la dynamite, incroyable! Il est parti où lui? Là-bas. Ah, je l'aurais pas comme ça. Zelda, mieux que Fortnite. Oui, d'accord, c'est bien. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on joue à Fortnite, il y a des débiles qui passent? C'est incroyable! C'est incroyable! C'est quoi? C'est un aimant? Qu'est-ce qui se passe? Franchement, Tetris, c'est mieux que Pokémon, hein! Ouais, c'est ça, allez. C'est vraiment un aimant. Voilà, le retour du pistolet. En fait, le pistolet, il a pas de boulet de drop et il tire en ligne droite et c'est incroyable. Pour que j'ai vraiment l'impression que Fortnite est un aimant. Genre vraiment. C'est fou quand même. Je te jure. Allez. Alors, on avait les buissons. Je me suis fait toucher. Non, pas fait toucher. En vrai, le lance-roquette, ça sert pas à grand chose vu qu'il n'y a pas de construction. On va l'utiliser là. Vas-y. Et je vais prendre ça, ça sera mieux. Ouais, on sera mieux là. Alors. Alors. Ça, c'est bon. Non, Nunus, non. Non, ça n'aurait pas d'intérêt. À...
Enfin, c'est pas que ça n'aurait pas d'intérêt, c'est que je saurais pas où faire. Un, j'aurais pas le temps, et deux, j'aurais pas d'endroit où le. Tu vois, endroit où le mettre. Alors. Merci Mister Vivetta, t'es un amour. T'es un amour, merci beaucoup. Bah oui, mais ça fait du bien de te revoir, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu deviens? Non, c'est gentil, Amnésique, c'est gentil. Ah, mais oui, il y avait ça aussi à l'époque. Mais t'es adorable, merci. Merci beaucoup. Ah tiens, le petit nain. Il y en a combien à récupérer, d'ailleurs? Je sais pas. On pouvait monter à l'époque, là-dedans. Je pourrais pas, là. Bon. Attends, c'est quoi pour glisser, déjà? Ah, c'est ça. Ah, faut que j'aille dans la zone. Oh, ah oui, il y a les colis stratégiques aussi. Putain, j'ai complètement oublié tout ce qu'il y avait, tu vois. J'ai complètement zappé tout ce qu'il y a dans le jeu. C'est vraiment... Ah oui, il y avait cet endroit-là aussi. Oh, mais ils ont pas remis les snipers. Parce que c'était trop bien, ça. Aussi, à l'époque, il y avait des bons snipes. Et j'en ai pas trouvé pour l'instant. Je me souviens que je crois que c'était à cette époque-là où ils avaient fait le avec les zombies là qui apparaissaient pour Halloween. C'était trop bien aussi ça. Il y avait des espèces de petites failles avec des zombies et tout. Je crois que c'était ça. Il me semble. Bon par contre, je croise personne, c'est terrifiant. Peut-être que là il y aura quelqu'un. Ah c'est vraiment une part... Ah tiens, ok, super, il y a des gens là. Ok, il y a des gens. Wow, il y a du kill là. Ah, je vois des gens bouger là-bas. Ok, il y a des trucs qui bougent. Est-ce que je prendrais pas la faille? Attends, j'ai une idée. Ok, là-bas. Là. Là. Waouh, bien joué. Quand tu veux. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est pas venu? Bah, il était à deux doigts de me tuer. Il attend que je sorte peut-être? Je pense qu'il attend que je sorte. Je pense. Ouais, il est là. Qu'est-ce qu'il fait? Je suis un peu en stress. Il est où? Là. J'avais pas vu un là? Ah mais si, ils ont remis les snipes! Incroyable! Voilà, c'est ça que je voulais. T'as des bruits, je les connais pas du tout. Waouh, je suis tellement nul. Ouais, je me doutais. Bon, bah écoutez, j'ai surtout envie de jouer avec un pote. Bon, là, en solo, bon, voilà. J'ai surtout envie de jouer avec un pote. Mais c'est cool de revoir la première map. Et ça donne envie, en vrai, d'y retourner un petit peu en duo.